La résidence Nénuphar est composée de 6 maisons individuelles implantées au cœur de l'écoquartier Les Rives du Solin, située sur la commune de Chalette-sur-Loing, dans l'agglomération montargoise. Il s'agit de 6 logements locatifs sociaux. Il s'agit de 6 pavillons allant du T3 au T5. Chaque maison dispose d'un jardin plein sud avec une terrasse et un abri de jardin. À chaque logement est également associé un garage. Cet ensemble immobilier bénéficie d'une certification environnementale CERCAL NF Habitat HQE. Cette certification consiste notamment en une isolation renforcée, à savoir une RT 2012-20% et également la mise en place de panneaux photovoltaïques pour l'utilisation d'électricité. Pour les clients, cela apporte à la fois un confort à l'intérieur de la maison et une économie en termes d'énergie, car le logement est surisolé. Nous sommes à Amilly sur l'opération Les Hautes-Varennes qui se situe rue du Limousin, qui fait partie de l'agglomération montargoise. C'est une opération de 26 logements individuels en locatif social, une opération contemporaine avec des pavillons en rez-de-chaussée et certains en R+1. Ces pavillons sont certifiés RT 2012-10% avec le label Habitat et Environnement. Cette labellisation RT 2012-10% permet une économie d'énergie pour nos locataires et un meilleur confort de vie. Chaque pavillon bénéficie d'un garage ou d'un abri de jardin et d'un jardin donnant sur un espace collectif. Nous sommes sur le groupe Le Bellet, à Ormes, impasse Geoffroy de Villardouin, sur la métropole d'Orléans. Nous sommes sur une réhabilitation complète de 50 logements. Ici, la première tranche est constituée de 6 logements, type 4 et type 5. C'est un groupe immobilier qui est dans le patrimoine de Valeur Habitat depuis plus de 35 ans. Nous avons donc réalisé une réhabilitation complète de ces logements, passant par l'isolation par l'extérieur, le changement de mode de chauffage, les menuiseries, l'isolation des combles et de nombreuses interventions techniques dans les logements. Ces travaux ont représenté environ 65 000 euros par logement. Ici, la première tranche de travaux s'est déroulée sur 6 mois. Il y a 6 tranches, nous envisageons encore 1 an et demi de travaux. Nous sommes à Chécy, sur la résidence du Vieux Pavé, une résidence qui se trouve dans la métropole d'Orléans, qui comporte 20 logements. Nous avons modernisé les parties communes, refait les façades, modifié complètement les circulations dans la résidence afin d'apporter plus de sécurité et de tranquillité à nos locataires. Depuis cette rénovation, nous n'avons enregistré aucun départ de locataires, sachant que nous étions avant ces travaux à 8 logements vacants sur 20. Donc c'est une parfaite réussite.
Nous sommes devant la résidence Notre-Dame de Recouvrance dans le centre-ville historique d'Orléans. Donc, nous sommes dans une résidence où il y a 6 logements. Valeur Habitat a procédé donc à la restauration de la façade de l'immeuble ainsi que des parties communes. Donc, nous avons réalisé la réfection des parties communes, donc embellissement au niveau des murs et des sols. Après, nous avons travaillé donc sur procéder à la restauration de la façade de cet immeuble. Lors de cette restauration, il a été découvert des éléments datant du XVIe siècle. Donc nous avons travaillé en collaboration avec l'architecte des bâtiments de France, donc qui nous a imposé un cahier des charges pour la restauration de cette façade. Nous sommes sur un ensemble de 5 bâtiments, du 6 au 12 rue Arago, à Chalette-sur-Loing. Pendant 15 jours, nous avons effectué des travaux. Pour les clients, ça a permis de rafraîchir les plafonds et les murs. Valoir Habitat a mis en place un chantier éducatif sur les entrées 10 et 12 de la rue Arago, sur le quartier Vézine, quartier prioritaire de la ville de Chalette-sur-Loing. Nous avons travaillé en partenariat avec le service municipal jeunesse. 8 jeunes ont pu participer à ce chantier éducatif, accompagnés d'un éducateur du service municipal jeunesse pour la partie éducative, donc l'aide à toute démarche de papier, apprendre à respecter les horaires, remplir sa feuille, etc. Et il y a également eu 2 accompagnateurs techniques qui ont pu enseigner les techniques de peinture en bâtiment à ces 8 jeunes. Valoir Habitat a l'habitude d'organiser des chantiers éducatifs en partenariat avec les services municipaux jeunesse ou avec les services d'éducation spécialisés. Ces chantiers éducatifs visent à permettre à des jeunes de se réinsérer professionnellement. En effet, grâce à cette expérience professionnelle, ils réapprennent le monde du travail, se lever, les contraintes liées par exemple aux horaires. Il y a tout un travail aussi qui permet de revaloriser le jeune, lui permettre de reprendre confiance en lui. Et Valoir Habitat essaye de favoriser la participation de jeunes issus des quartiers où les chantiers sont réalisés pour leur permettre de recréer le lien social entre les jeunes et les habitants des logements concernés.